Oh, je voulais enregistrer une petite vidéo, mais j'ai dit non, je n'enregistre pas la petite vidéo. Je vais juste faire un petit live comme ça, rapide, pour jubiler avec vous. Voilà. Les présidents africains, surtout de l'Afrique francophone, les présidents à vie, longévité au pouvoir, il n'y a que eux pour diriger le pays. Ils disent qu'après eux, c'est le ravin. Il n'y a que, quand ils sont aux affaires, personne n'est plus intelligent qu'eux pour pouvoir diriger le pays. Ils ne savent pas que l'alternance fait partie des moyens de développement d'un pays. Parce que quand il y a plusieurs présidents, c'est chacun qui veut venir montrer qu'il est plus bon que l'autre, que son prédécesseur. C'est comme ça. Merci Sylvain, on ne peut pas arrêter avec les directs parce que c'est de la communication. La guerre, c'est aussi la communication. Donc c'est trop, c'est con de dire arrêtons avec les directs, non. Parce que la guerre, c'est aussi la communication. C'est comme ça. Et en plus, nous ne sommes pas les seuls à combattre. Donc si vous pensez que nous sommes les seuls à combattre, vous mentez. Il y a des gens qui combattent que vous ne voyez jamais, qui sont dans le noir. Donc quand il y a une communication importante, c'est mieux de partager. Parce que ça fait partie du combat. Donc lorsque vous ne partagez pas, vous ne contribuez pas au combat. Donc ne venez pas donner des leçons. Voilà. Donc j'étais en train de dire que je ne vais pas attendre que les gens se connectent. C'est une vidéo là, 10 minutes rapide que les gens vont voir après. J'étais en train de dire que quand ces gens sont au pouvoir, exemple Paul Biya, il est au pouvoir depuis 1982. Il dit que ce n'est que lui qui est capable de diriger le Cameroun. C'est lui l'homme le plus intelligent du Cameroun. Alpha Condé était un opposant, hein. Il était opposant, il était en Europe, il combattait le régime qui était en place dans son pays. Il combattait. Dès qu'il arrive au pouvoir, bang, il fait pareil. Deux mandats, deux mandats, deux mandats. Il arrive au pouvoir, il fait un mandat, il fait deux mandats. Il est déjà vieux, il ne veut pas laisser. Il s'engage dans le troisième mandat, il modifie la constitution. Voilà les retombées. Il ne pouvait pas aussi laisser le pouvoir tranquillement, il part se reposer. Un vieux de son âge. Il a fait deux mandats. L'année passée, il a gagné les élections avec un chiffre, un score soviétique. Il dit qu'il a gagné les élections avec un score soviétique. Les merdes, comment je peux avoir plus de têtes de mort que de cœur alors que je suis en train de parler de ce qui se passe en Guinée? Comment je peux regarder vous-même, observer. Je viens de me mettre en direct. Mais c'est déjà une pluie de têtes de mort. C'est comme ça que les gens font pour bloquer mes pages. J'ai deux pages déjà. Ma page principale et mon autre page que je venais de créer il y a de cela 3 mois sont bloquées par Facebook. Donc j'ai réactivé cette page-ci, Marc Seigneur officiel. Depuis 2 ans, je ne l'avais pas utilisée. La page-ci sur laquelle je suis en direct actuellement. Je ne l'avais pas utilisée. Et là, voici aussi que les gens sont en train d'envoyer les têtes de mort. Et ces têtes de mort-là, quand ça domine sur les cœurs, Facebook va automatiquement restreindre la page. C'est automatique, ce sont les algorithmes. Quand il y a plus de morts que de cœurs, on va restreindre ta page parce qu'on va te dire que ce que tu fais est mauvais et n'est pas apprécié par des gens. Et c'est comme ça qu'ils font et ils signalent mes pages et on nous muselle. Quand vous me parlez, vous dites qu'il faut qu'on arrête les directs. Pourquoi ces gens ont peur quand on fait les directs? Si les directs là ne servent à rien, pourquoi est-ce qu'ils viennent signaler nos pages? Pourquoi est-ce qu'ils veulent à tout prix que nos pages soient complètement supprimées? Si ce qu'on fait ne fait pas avancer la lutte, détrompez-vous. La communication, quand vous détenez la communication, vous détenez le bon côté de la lutte. C'est comme ça. Ce n'est pas seulement une personne qui met les cœurs, Mirabel Christine, ils sont nombreux. C'est leur travail. C'est pour ça qu'on vous dit partager et envoyer les cœurs de temps en temps pour que les cœurs dominent sur les têtes de mort. C'est très important parce que quand ils vont finir par bloquer toutes nos pages, ils auront gagné parce que puisque les Camerounais ne sont pas informés, ils vont continuer de faire leur sale besogne. Donc, revenons donc sur ce qui se passe en Guinée actuellement où Alpha Condé a été mal, c'est-à-dire il a été balancé, on l'a mis dans la sauce du Condré. Alpha Condé est le grand président, l'homme le plus intelligent de la Guinée-Conakry. Après lui, c'était le ravin, selon lui et ses partisans. C'est la même chose que Biya dit. Après moi, c'est le ravin. C'est ça, jusqu'à ce que tu te rendes compte que du pouvoir à zéro, il n'y a même pas une seule distance. C'est collé comme ça.
Hier, tu étais au pouvoir. Aujourd'hui, regarde à quoi un président de la République ressemble. Regardez. L'humiliation. Regardez. Regardez-le. Regardez. Et c'est ce que tous ces gens recherchent. L'humiliation. Ils aiment l'humiliation. C'est des masochistes. C'est des gens que je ne sais pas. C'est-à-dire, quand ils vont au pouvoir, les Barack Obama sont bêtes d'être à la tête de la plus grande puissance et faire deux mandats laissés. Les Barack Obama sont bêtes, selon les présidents africains, les Barack Obama, les Sarkozy ou bien tous ces présidents occidentaux qui font deux mandats et puis ils laissent là. Donc ils sont bêtes. Les présidents africains, c'est eux. Eux seulement, eux. Personne d'autre, seulement eux. Voilà Ibeka au Mali. C'était seulement lui. Il est parti comment? Voilà l'autre. Voilà Alpha Condé. C'est seulement lui, seulement lui. Il est parti comment? Il est parti comment? Ils aiment l'humiliation. C'est le seul moyen de renverser ces gens. C'est le seul moyen de les faire partir du pouvoir. Parce qu'on dirait que je ne sais pas ce qui entre dans la tête de ces personnes. Vous êtes en charge des millions de citoyens, mais vous pensez être l'homme le plus intelligent, seul, apte à diriger un pays. Quand un président pense comme ça, ça veut dire que lui-même, il reconnaît qu'il a fauté. Parce que s'il savait qu'il soit le seul à diriger un pays après tant d'années, ça veut dire que lui-même, il reconnaît que c'est l'échec. Il reconnaît que son pouvoir, c'est l'échec. Je vous prends l'exemple de Paul Biya. Depuis 1982 jusqu'à aujourd'hui, Paul Biya dit toujours qu'il est le meilleur choix. Nous savons tous qu'un vrai chef de famille, c'est celui qui forme ceux qui vont le succéder demain. Donc, si toi, en tant qu'un chef de famille, tu continues toujours d'être là 150 ans, tu dis que ce n'est que toi, ce n'est que toi, ce n'est que toi, ça veut dire que tu n'as pas formé la relève. Ça veut dire que tu reconnais ton échec. Et derrière cette candidature consécutive de Paul Biya, il y a l'échec reconnu de Paul Biya. Parce que si Paul Biya est toujours candidat jusqu'à 85 ans, 90 ans, il veut toujours être président de la République, ça veut dire que lui-même, il sait qu'il n'a pas formé les Camerounais pour être à sa place. Mais malheureusement pour lui, il y a beaucoup de Camerounais qui ne se sont pas seulement formés au Cameroun, ils se sont formés partout ailleurs et qui ont les capacités. Et malheureusement pour lui, il y a un monsieur qui est capable de gérer le Cameroun 10 000 fois mieux que lui, le président Kamtou. Oui, en fait, c'est comme ça que ces présidents africains-là sont. Dès qu'ils prennent le pouvoir, ils ne veulent plus laisser. Bah, voilà Alpha Condé. Regardez Alpha Condé, hein. Regardez-le. Voyez-moi le Toto. Voilà, le voilà. On l'a pris dans, on l'a mis dans le taxi. On l'a mis dans la voiture, on l'a... Vous voyez un peu, non? Et puis bon, je vais vous faire écouter rapidement la vidéo de... Chers compatriotes, la situation sociopolitique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits des citoyens, l'irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l'administration publique, la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique ont émené l'armée républicaine de Guinée à travers le Comité national du rassemblement et du développement, CNRD, à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain de Guinée et dans sa totalité. Nous avons décidé ainsi, après avoir pris le président qui est actuellement avec nous, la République, nous avons décidé de dissoudre la constitution en vigueur, dissoudre les institutions. Nous avons décidé aussi de dissoudre le gouvernement et la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Nous appelons nos frères d'armes à l'unité afin de répondre aux aspirations légitimes du peuple de Guinée. Nous les invitons également chacun à ce qui le concerne de rester dans les casernes et continuer leurs activités régalières. Nous n'avons pas, on ne va pas les prendre les erreurs du passé. Nous allons nous concentrer sur le développement. J'adore mes frères de l'Afrique de l'Ouest. Avec eux, quand ça ne va pas, ils te bottent. C'est pas comme les petits feignants que nous sommes là en Afrique centrale. Les militaires partent mourir au front pour rien. Tu leur demandes que, mais vous mourrez au front là-bas, pourquoi? Ils ne peuvent pas te répondre.
ils vont mourir au front pour rien. Attendez un peu. Facebook a remis l'option de Facebook a remis l'option d'appel vidéo sur Facebook. Hein. C'est bien. Vraiment de Dieu. Oh, Facebook, je ne sais pas à quoi est-ce que vous jouez. Voilà. Donc, nos militaires en Afrique centrale, eux, quand ils partent au front mourir pour rien, on leur demande, mais vous mourrez pourquoi? Ils vont vous dire que par patriotisme. Ils ne savent même pas ce que c'est que le patriotisme. Hein. On leur a appris que le patriotisme, c'est défendre Paul Biya, pour le cas du Cameroun. Au Congo, partout là-bas, on leur apprend que le patriotisme, c'est défendre le président, défendre le pouvoir du président. C'est pour ça qu'on vous recrute. Donc, vous n'êtes pas des militaires, mais vous êtes plutôt des gardes du corps. Vous n'êtes pas des militaires, vous êtes juste des protecteurs du pouvoir des gens. Parce que le patriotisme, ça veut dire aimer son pays. Et quand on dit aimer son pays, ça veut dire qu'on doit défendre son pays contre toute personne ou toute chose qui peut nuire à son pays. Et quand on regarde le Cameroun aujourd'hui, qu'est-ce qui nuit au Cameroun actuellement plus que le régime Biya? Rien que les détournements à outrance qu'il y a au Cameroun, ça pouvait construire le Cameroun. C'est que Dubaï ne vaut rien devant le Cameroun. Je dis rien que les détournements à outrance qu'il y a au Cameroun, là, pouvaient construire le Cameroun. L'argent, là, pouvait construire le Cameroun à un niveau qui dépasse Dubaï de loin. Mais non, les militaires vont protéger ces politiciens véreux, là, les voleurs de la République, en disant qu'ils protègent, ils font le patriotisme. Quand le citoyen lambda va vouloir revendiquer que mais les conditions de vie ne sont pas vraiment favorables, nous souffrons, ce sont les mêmes militaires qui vont les mater. Les mêmes militaires vont les tabasser. Les mêmes militaires vont les envoyer en prison, envoyer en prison sans procès. Voilà, parce qu'ils veulent protéger le pouvoir politique qui ne fout rien pour le peuple. C'est exactement ce qui se passe au Cameroun. Les militaires sont dans la souffrance, mais c'est comme si on les a vendus dans la sorcellerie. Les gars défendent Paul Biya, ils ne savent même pas pourquoi ils défendent Paul Biya. Et pourtant, eux-mêmes, ils sont dans la souffrance comme nous. Tu vas voir un militaire qui va sortir, qui part en guerre, il fait 5 ans de guerre contre son propre peuple, contre ses frères, comme ce qui se passe au Nozo. J'ai vu les vidéos d'un militaire qui sortait du Nozo. Vous savez dans quel genre de maison il est parti entrer. C'est-à-dire, vous connaissez les sous-quartiers là. Le genre de sous-quartier là où on entre, on traverse encore les mains. C'est-à-dire, le salon de quelqu'un, c'est la route. On entre dans la maison de quelqu'un, on passe par le salon de quelqu'un pour arriver quelque part dans le quartier. C'est-à-dire, les sous-quartiers, ils rentraient du Nozo, hein, il est parti faire la guerre aux anglophones. Il rentre pas dans son sous-quartier, là où la chambre, le salon, la douche externe, le genre de douche là où on s'accroupit pour déféquer là. Le genre, les douches externes, c'est-à-dire, vous connaissez le genre de bidonville là, non? Il finit de faire la guerre à ses frères anglophones, il s'en va dormir, il s'en va rester dans le bidonville. Il s'en va rester dans le bidonville. Et puis sa femme va préparer peut-être un petit mets comme ça, là, un peu de manioc macabo avec l'huile rouge. Il va s'asseoir, il va manger. Il va dire, j'étais en guerre, je défendais mon pays. Tu vois l'emboutement, tu dis, regarde là où quelqu'un vient dormir. Regardez vous-même. Même la dignité, vous ne savez pas ce que c'est. Tu marches, kounia, dans la boue. Tu entres dans les wataroutes. Tu viens dormir dans les moustiques, dans les maisons trouées, percées. Tes enfants subissent ce régime. Tes enfants vont faire 5 km à pied pour aller à l'école. Ta femme va souffrir avec la glacière sur la tête pour avoir 1000 francs à la fin de la journée afin d'essayer de mettre le riz avec l'huile jaune au feu. Toi, le militaire, tu seras fier de dire, je m'en vais faire la guerre aux anglophones. Pourtant, les anglophones revendiquent exactement les meilleures conditions de vie. Et si le Cameroun était bien dirigé, ce n'est pas seulement les anglophones qui allaient profiter, c'est tous les Camerounais. Vous allez voir, les policiers se lèvent, ils s'en vont tabasser. Les gens qui ont marché depuis 2019-2020, ils sont en prison aujourd'hui. Il y a des gardes prisonniers qui sont là-bas, qui les maltraitent aussi. Mais quand tu vois là où les gardes prisonniers la vivent, tu comprends que il y a quelque chose qui se passe dans la tête des hommes en tenue en Afrique francophone. Mais surtout en Afrique centrale, parce qu'en Afrique de l'Ouest, les militaires là ne donnent pas le lait. Les militaires, les hommes en tenue de l'Afrique centrale devraient prendre exemple sur les hommes en tenue de l'Afrique de l'Ouest. Parce que le militaire est celui-là qui est capable de rétablir les choses quand tout va mal. Quand les politiciens,
commencent à se comporter comme des voleurs, comme des bandits. Quand les politiciens ne font plus leur travail, il est du devoir des militaires de rétablir les choses. C'est pour ça que les militaires ne sont jamais enrôlés dans la politique. Mais au Cameroun, tous les généraux sont du RDPC. J'ai dit au Cameroun, j'ai vu les généraux faire la campagne du RDPC. Des militaires, ils s'en vont faire la campagne du RDPC. Le parti au pouvoir, au Cameroun, j'ai mis les mains sur la tête. Les Valenka, le général Valenka, ils s'en vont faire la campagne du RDPC. C'est-à-dire, c'est incroyable, mais c'est vrai. Voilà donc les pays dans lesquels nous vivons. Et avec tout ça, on veut que les autres nous respectent. Ils vont nous respecter comment? Moi, j'ai du respect pour des hommes, comme ce monsieur que vous avez vu, qui part, même s'il y a quoi, même s'il y a quoi qui arrive après, ce monsieur, c'est un monsieur à célébrer. Parce que si les militaires faisaient vraiment leur travail en Afrique, c'est que l'Afrique est développée. Si les militaires faisaient savoir aux politiques africains que si vous blaguez, on vous botte. Faites bien votre travail, sinon nous allons vous botter. C'est que les politiques africains font tellement bien leur travail que les Africains ne devaient pas avoir besoin de prendre la route du désert ou de la Méditerranée. Voilà. Donc je reviens encore sur le cas du Cameroun. Paul Biya a besoin de ce genre d'humiliation. Hein? Parce que là où Paul Biya est là-bas, il croyait qu'il était un dieu. Quand nous, de la brigade anti-Sardina, nous l'avons chassé ici en Occident, c'est là où beaucoup de Camerounais ont compris qu'il est un homme comme tout le monde. Nous avons démystifié Biya, parce que Biya était un mythe, c'était un mystère. Il était le dieu suprême. Mais quand nous sommes partis le chasser en Suisse, nous l'avons chassé au Meurice, nous l'avons chassé à Lyon. Les Camerounais ont commencé à comprendre que, dans le type celui-là, c'est un homme comme tous les autres. Donc le type celui-là, vraiment, ce n'est pas un dieu. Parce que Paul Biya a passé des années à dire aux Camerounais qu'il est un dieu. Depuis 2018, qu'il a volé les élections, il n'est jamais sorti pour aller quelque part. Il ne connaît même pas comment le Cameroun fonctionne. On ne sait même pas s'il vit. On ne sait même pas s'il vit. Sa seule sortie, c'était en Occident. Et il a plus de 85 ans, il a même 90 ans. Parce qu'à leur époque, on ne calculait pas bien l'âge. Il fallait mettre la main comme ça pour qu'on calcule ton âge. C'est un évêque. Donc, il a plus de 90 ans. Dans un pays comme le Cameroun, le gars pense que c'est lui seul qui est capable de gérer le pays. Je me pose la question de savoir, quand il va mourir, le Cameroun va disparaître. Voilà Alpha Condé aujourd'hui. L'année passée, Alpha Condé, il dansait jusqu'à il a bu, il a saoulé en pleine campagne parce qu'il dit qu'il a été réélu avec les scores soviétiques. Alpha Condé, le grand président. Oui, je suis le chef suprême, le grand président. Te voilà aujourd'hui, Alpha Condé. Te voilà aujourd'hui. le voilà. Regardez sa tête. Le voilà aujourd'hui. On l'a serré dans la voiture. Vous voyez comme quand tu prends souvent le taxi là. Une personne est entrée là-bas, tu t'assois au milieu. Après, une autre personne vient monter là. On l'a serré comme ça dans la voiture. Regardez-le. Iwanda, il n'en revient pas. Iwanda encore. Oh, mes amis militaires ont fait le selfie. Oh, voilà tout un président. Regardez à quoi il ressemble aujourd'hui. Regardez. Mais c'est lui qui dit qu'il a gagné les élections avec un corps soviétique, non? Regardez à quoi il ressemble aujourd'hui. Voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà donc ce que les présidents africains cherchent. On ne peut pas vous respecter. On ne peut pas vous respecter. Vous ne pouvez pas au moins avoir un peu de dignité. Quand tu vois que tu n'as pas accompli tout ce que tu devais accomplir après deux mandats, comme tu as promis, retire-toi. Tu laisses une autre personne venir. Ensuite, après ça, tu vas te représenter à nouveau. Qu'est-ce qu'il y a de toujours vouloir rester au pouvoir à vie? Rester au pouvoir jusqu'à de l'époque de Mathusalem jusqu'à ouais. Qu'est-ce qu'il y a avec ces hommes-là? C'est la vengeance. On vous a vendu. On vous a vendu. Voilà. Malheureusement, c'est ça. Hey, attendez un peu. Il y a quelqu'un qui s'appelle Moussa Camara. Il dit, occupez-vous de votre pays. Mais c'est ça, Moussa Camara. On va s'occuper de notre pays. C'est ce que nous sommes en train de faire. Parce que pour vous qui êtes bête là, que vous n'avez pas encore compris, c'est que l'Afrique est notre pays.
Et tous les autres dont vous appelez pays là, ce sont les quartiers, ce sont les villes, les régions. L'Afrique est notre pays. Donc tout ce qui se passe dans tout le territoire africain nous concerne, monsieur Moussa Camara. Donc si tu n'es pas content de mon direct, moi je ne porte pas les gants. Hein. Si tu n'es pas content de mon direct, peut-être c'est la première fois que tu te balades sur mon mur. Quand tu n'es pas content de ma vidéo, tu pars. Ne fais pas les mauvais commentaires parce que tu vas recevoir. Je suis sûr qu'on est déjà en train de bien te laver là-bas. La mentalité africaine doit évoluer. Quelqu'un vient dire à un autre Africain que parler de votre pays, j'ai horreur de ça. Parce que l'Afrique, c'est notre pays. Et je dis bravo à l'Afrique de l'Ouest, aux militaires de l'Afrique de l'Ouest. Ce sont des vrais patriotes. Des vrais patriotes. Et il faudrait que les militaires de l'Afrique centrale, nous militons pour une Afrique unie. Parce que ce que vous appelez pays aujourd'hui là, ce n'est pas vous qui avez tracé les frontières. Ce sont les Occidentaux qui ont tracé les frontières. Donc soyez cohérents. Vous ne pouvez pas dire que les Occidentaux sont montés, les Occidentaux sont descendus pour venir parler de pays. Est-ce que vous trouvez normal même d'abord qu'il y ait des visas entre les pays africains? Comme vous parlez de pays là, vous trouvez que c'est normal? Or, en Europe, il n'y a pas de visa dans le Schengen. Vous trouvez que c'est normal? Voilà. Donc, l'Afrique, que vous le vouliez ou non, nous allons unir tous les territoires que vous appelez pays là, parce que ce ne sont pas des pays. Quand on traçait les frontières là, nous n'étions pas là. Nous allons tout reprendre à zéro. Tout reprendre à zéro. Donc, ce qu'on m'appelle Cameroun, Nigeria, machin, machin, machin là, tout ça, ce n'est pas des pays. Donc, lorsqu'on emploie même le terme pays, c'est juste parce qu'on veut juste avoir un repère dans notre langage. On veut juste avoir un repère. Sinon, ce ne sont pas des pays. Nous, ce n'est pas nous qui avons tracé nos frontières. Ce n'est pas nous. Donc, ce ne sont pas des pays. Quelqu'un qui se vante d'être ivoirien, camerounais, guinéen, béninois, machin, c'est vous qui avez tracé les frontières là. Non, ce sont les gens qui vous ont imposé ces limites de territoire. Parce que nous, l'Afrique que nous connaissons n'a pas de frontières. Aucune frontière. Voilà. L'Afrique est notre pays. Tous les pays africains là, qu'on appelle pays là, en réalité, tout ça uni, c'est ça qui fait notre pays. Le reste là, ce n'est que les régions, les quartiers, les villes, c'est tout. Voilà. Donc, j'étais de disant ce que regardez à quoi Alpha Condé ressemble. Regardez, hein. Voilà quelqu'un qui était présent hier. Hier soir, il était président. Hier soir, on l'appelait Monsieur le Président. Monsieur, il signait les décrets. Hier soir, aujourd'hui, il est assis sur le canapé comme du n'importe quoi. Comme une girafe qui s'en entremêle les pieds. Il est assis comme du n'importe quoi. Ces gens-là, ils aiment l'humiliation. Et c'est comme ça que Paul Biya, son régime, Mami Touf Touf, Ferdinand Gongo, tous ces gens-là seront humiliés. Tôt ou tard, vous serez humiliés parce que c'est ce que vous voulez. Et c'est ce que vous méritez. Et on va vous donner ça. Continuez de vous accrocher au pouvoir. Vous ne laissez pas. C'est comme ça qu'on va vous humilier. Les enfants africains vont se réveiller. Ne vous inquiétez pas. Et tous ceux qui leur ont fait du mal vont subir. Tous ces agents français, parce que tous ces gens-ci, ce sont eux qui partent prêter allégeance à la France. Hein. Ils s'en vont prêter allégeance à la France. Et après, ils viennent s'éterniser au pouvoir, sachant que la France va les protéger. Que quelqu'un touche un peu à un cheveu de Mamadi Doumbouya. Que quelqu'un touche un peu à un cheveu de cet homme cet homme qui a su renverser. C'est le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, commandant des forces spéciales guinéennes. Ah oui, mes respects, mon colonel. Vous êtes un homme digne, un enfant digne d'Afrique. Et moi, Max Senghor Ivoire, vous avez mon soutien. Oui, tout comme j'ai apporté mon soutien aux militaires maliens qui ont renversé Ibeka à la suite de la révolution populaire. Excusez-moi, je suis trop content, parfois je fais un peu des lapsus. À la suite de la révolution populaire qu'il y a eu au Mali. Oui, nous, les dignes enfants de l'Afrique, nous allons vous soutenir. Oui, nous allons vous soutenir parce que je connais déjà ce qui va se passer après. Les Français vont sortir, vont dire, oh, nous ne tolérons pas les coups d'État. Machin truc, embargo, patati patata. Vous allez voir, l'Union africaine, ils ne sont jamais là quand il y a les problèmes dans un pays. Mais ils vont sortir pour soutenir Alpha Condé. Ils vont dire non,
Les coups d'État ne sont pas acceptés. Oh, ils vont commencer à défiler là-bas. Défiler, défiler pour mettre la pression aux militaires de lâcher prise. Ne lâchez pas prise. Parce que c'est le peuple qui est souverain. Et si le peuple guinéen adoube ça, ça veut dire que nous tous nous adoubons. Nous tous, nous vous soutenons. Parce que vous le faites pour le peuple comme vous l'avez dit. Eh bien, nous, le peuple, c'est nous qui détenons la souveraineté. Ce ne sont pas ces politiciens-là qui vivent plutôt de l'argent du contribuable, non. C'est le peuple qui détient la souveraineté. Et donc, si vous vous battez pour nous, vous les militaires, eh bien, nous allons vous soutenir, nous le peuple. Tout le peuple africain, j'appelle tous les Africains à soutenir ces militaires parce qu'ils vont subir une grosse pression dans les heures à venir. La pression de la communauté internationale, la pression des bâtards là qui sont là, ils disent qu'ils sont à l'Union africaine là. Ils vont commencer à subir cette pression et nous allons les soutenir. Ah oui, nous allons les soutenir. Et c'est de cette même façon qu'on appelle les militaires camerounais à ouvrir les yeux. Arrêtez d'aller faire la guerre, ensuite allez vous asseoir dans les wataroutes, dans les sous-quartiers. Parce qu'un gouvernement ne peut pas dépenser 10 milliards chaque mois pour faire la guerre à vos frères. Et vous êtes content de cela. Et pourtant, pendant ce temps, vous-même, vous n'arrivez pas à manger chez vous. Tu pars en guerre, toi le militaire, tu laisses ta femme à la maison avec les enfants. Tu pars en guerre au Nozo. Ta femme reste, il n'y a pas à manger. Elle est obligée d'aller soulever le cabachet, le boucher, pour avoir un peu de viande pour donner aux enfants. Elle est obligée d'aller soulever le cabas chez le boutiquier pour que le boutiquier charge un peu de pain chocolat pour les enfants. Oui, malheureusement, c'est ça. Parce que toi, tu es là-bas en train de faire une guerre qui ne devait pas exister. On est en train de dépenser l'argent du pays pour faire cette guerre-là. Toi, tu approuves ça. Et tu ne sais pas que cette guerre appauvrit ton pays. Mais tu vas dire que tu es patriote. Comment tu peux 10 milliards chaque mois. Et c'est déjà plus. Oui, pas payé, mais c'est déjà plus. Plus de 10 milliards chaque mois, rien que pour la guerre dans les zones anglophones. Hein. Parce que si c'est pour la guerre contre Boko Haram, c'est un autre budget. 10 milliards chaque mois, ça, c'est sans compter maintenant toutes les pertes que les entreprises qui sont là-bas ont eues. Et en plus, quand on va ajouter sur ça, les pertes en vie humaine, les pertes matérielles, c'est la catastrophe. C'est l'hécatombe dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Oui. Mais des militaires vont vous dire qu'ils sont patriotes. Patriotes pourquoi? Parce que les gens ont revendiqué, vous avez commencé à les tuer. Ils ont décidé qu'ils ne vont plus se laisser faire. C'est devenu la guerre civile dans un pays. Et vous savez pertinemment que ça va toujours finir par se résoudre sur une table de dialogue. Mais vous êtes en train de faire la guerre pourquoi? Qu'est-ce que les anglophones revendiquent? Qu'est-ce qu'ils revendiquent qu'on ne peut pas leur donner? Vous comprenez un peu? Voilà ça. Nassau idée. Finissez de faire la guerre, ensuite vous partez dormir dans les maisons en carabotte, dans les wataroutes, vous partez dormir dans les sous-quartiers, les militaires là, c'est comme ça. Pendant ce temps, les généraux qui ne sont pas sur le terrain de la bataille avec vous, ils sont dans les palais, ils sont dans les palaces. Pendant ce temps, les ministres qui vous envoient en guerre là, ils sont dans les palaces. Pendant ce temps, Paul Biya est à Genève en Suisse, il loue un étage de l'un des hôtels les plus chers du monde. Il loue tout un étage pour lui seul. Il dépense en moyenne 40 000 dollars par jour pour se mettre à l'aise. Le président de la République, hein. Pendant ce temps, toi, le soldat, on te dit, hey, va combattre les Zamba Boys. Tu encaisses les balles. Tum, 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 hein. L'autre dit, hey, Dieu merci, il y a eu explosion. Nous ne sommes pas morts. C'est Dieu qui est fort. Dieu merci. C'est Dieu qui est fort. Vraiment, c'est Dieu qui est fort. Hein? Donc, Paul Biya t'envoie en guerre aller tuer les anglophones. Toi, tu arrives là-bas, la bombe te loupe. Tu commences à dire, c'est Dieu qui est fort, n'est-ce pas? Dieu va continuer d'être fort quand tu seras enterré comme tes autres camarades. Ce qui est arrivé à Alpha Condé, non. Ce n'est que la conséquence de ce qui devait normalement arriver. Donc, en fait, excusez-moi, ce n'est que ce qui devait normalement arriver. C'est la suite logique. C'est comme ça qu'on appelle ça. La suite logique. Donc, les gars, je vais vous laisser. Moi, je voulais bien me moquer, mais ma pause est terminée. Je vais vous laisser, les gars. Passez une bonne journée et sachez que l'Afrique, là, nous allons la libérer, coûte que coûte. N'oubliez pas, pour que les Africains obtiennent le respect, il faudrait d'abord que les dirigeants africains respectent les populations. Et pour que les dirigeants africains respectent les populations, il faut que ces dirigeants aient une conscience. Et pour que les dirigeants aient une conscience, il faut un peuple fort.
un peuple déterminé. Parce que quand vous êtes fort et vous êtes déterminé, les dirigeants, même les plus bêtes, seront conscients que si je m'amuse, le peuple là va me botter. Et donc, il faut que je travaille bien. C'est pour ça que les présidents des autres pays occidentaux là travaillent bien. Si Barack Obama s'amusait, on allait le botter. Si Donald Trump s'amusait, on allait le botter. Si tel s'amusait, c'est comme ça que ça marche dans ces pays occidentaux. Si tu t'amuses, on te botte. Parce que c'est le peuple qui détient le vrai pouvoir. Le président de la République n'a aucun pouvoir. On le met là-bas comme on peut l'enlever. Le seul pouvoir, c'est au peuple. Le peuple n'a jamais tort. Parce qu'il a la force du nombre. C'est le peuple qui donne tort. Parole du général Valsirou. Rendez-vous le 18 septembre au Zénith à Paris pour le concert où le talent camerounais, le talent africain sera à l'ordre du jour, sera sous le feu des projecteurs. Oui, passez une bonne journée. C'était ma Seigneur Ivoire, je reviendrai, hein, très certainement.